Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'aventure 2.0 avec le petit Enu sur Hagrid. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de continuer. Aujourd'hui, on va faire un best-of, donc récapitulatif des lives qu'on a fait et évidemment de sur l'avancée de manière générale. Donc faut savoir que j'ai pas non plus énormément joué hein, sur ces derniers jours, j'ai pas non plus fait beaucoup de lives. Donc voilà, c'est vraiment avec la sortie de la 2.35 aussi, avec la bêta, tout ça, j'ai joué. Donc sur serveur officiel, vous l'avez vu, avec des donjons, machin. Voilà, donc j'ai pas énormément avancé sur l'aventure d'Hagrid, mais il y a quand même quelques heures de live, hein, donc il y a pas mal de choses à voir. Je suis toujours dans les mêmes niveaux, donc je m'approche doucement du level 90. Alors je sais évidemment qu'il y en a plein qui m'ont dépassé, hein. J'ai discuté avec des mecs qui étaient déjà level 150, enfin bon, c'est n'importe quoi. Les mecs qui sont en Shenmue et tout, ils sont beaucoup trop chauds. Bon, ils farment beaucoup plus que moi, mais en tout cas c'est sympa de voir que en partant de zéro, voilà, on peut déjà être level 150 avec de la Shenmue. Évidemment ils sont comme nous, hein. Ils démarrent, voilà, ils galèrent à faire des kamas et tout. D'ailleurs je vous en parlerai dans pas longtemps, mais j'ai fait une astuce kama, oh, vraiment magnifique. Je me suis fait 4 millions de kamas, donc voilà, avec de l'achat-revente. Hein. Je vous expliquerai ça en détail un peu plus tard, mais quand on reparlera des kamas. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va parler donc de l'aventure et de ce qu'on a fait. Donc, un des lives, on a fait beaucoup de Coliseum. On a beaucoup fait Coliseum, tout simplement parce que j'ai arrêté les chasses au trésor. Disons que ça m'a pas mal lassé, vous savez. Hein, moi, j'aime pas vraiment faire toujours la même chose. J'aime bien varier les plaisirs, tout simplement. Et puis, comme Dofus a la chance d'être un jeu où il y a énormément de choses possibles, vous pouvez faire des quêtes, vous pouvez faire voilà, du Coliseum, vous pouvez faire des chasses, vous pouvez faire du PVM, vous pouvez faire du PVP 1v1, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vraiment, il y a beaucoup de choses, et même des quêtes d'alignement, pour rechercher des Dofus, enfin voilà, il y a énormément de choses. On avait fait le Dofus Chaos, c'est un exemple d'activité qu'on peut faire, il y a vraiment beaucoup de choses. Et du coup, en ce moment, j'aime beaucoup le Coliseum, parce que j'ai un stuff qui est quand même 10-6, donc qui est largement acceptable, on a réussi à lui donner un stuff acceptable. L'Enu, c'est une classe que j'appelle couteau suisse, hein, je vous l'avais dit, hein, moi j'aime beaucoup l'Enutroph, parce que voilà, parce qu'il a la corruption qui est vraiment extrêmement puissante, c'est un game break de fou, et puis il y a aussi tout simplement le fait qu'il peut retirer des PM, il peut retirer de PO, il peut retirer des PA, il peut accéder quelqu'un, il a le sac, il tape pas super fort l'Enu, ça c'est sûr, mais bon voilà, j'aime vraiment bien, j'ai vraiment du plaisir à jouer avec cette classe, c'est nouveau pour moi, j'ai jamais joué vraiment avec un Enu, et donc... beaucoup de victoires, mais aussi beaucoup de défaites. Hein. Clairement, je me suis fait beaucoup de kamas avec ça. Les colisétons valent toujours super cher. Enfin, les galets qu'on obtient avec les colisétons valent toujours super cher. J'ai dû crafter des dizaines de galets. Enfin, vraiment, j'ai vraiment farmé le Coliseum. Hein. J'ai vraiment fait beaucoup de colis avec donc des gens de la guilde, avec des gens de l'Alliance. En aléatoire, j'ai fait vraiment beaucoup de colis différents. On en a fait donc avec des gens de l'Alliance et de la guilde dans le live. On en avait fait quelques. On a perdu, gagné, voilà, enfin il y avait de tout comme d'habitude. Donc voilà, le Coliseum c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. On en a fait beaucoup sur les derniers lives, mais bon, c'était toujours un plaisir. J'ai continué aussi les doppels qui ont été une grosse ressource, enfin une grosse source de kama. J'ai fini les succès, les amis. J'ai fini les succès doppels, donc avoir les 10 challenges sur tous les doppels. Donc ça, je les ai eu. J'ai eu tous les kamas qu'il y avait avec. Donc là, en termes de doplons, voilà, j'ai eu énormément de doplons différents. Et j'ai vendu, donc j'ai vendu pour beaucoup de parchemin. Je me suis fait pas mal d'argent. Honnêtement, là, je me suis bien fait des sous, là. Hein. Je commence à avoir une petite cagnotte. Bon, je réinvestis directement. Moi j'ai vraiment une philosophie de réinvestissement permanent sur l'économie. Donc voilà, dès que j'ai un petit peu de kama, je le garde jamais vraiment longtemps. Je le réinvestis pour avoir un peu plus, puis je le réinvestis pour avoir un peu plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça reste sympathique comme ça. Donc on a fini les doppels, on les a finis, on les a quasiment finis en live. En gros, je faisais des challenges en gros sur les doppels pour avoir les succès dans tous les sens, et c'était vraiment sans difficulté là-dessus. Hein. C'était non, franchement, c'était largement acceptable. On a aussi attaqué sur un live suivant les succès. Donc il me manque pas mal de succès. Et je vous l'avais dit, vendre les succès les ressources que vous obtenez avec les succès, c'est vraiment super. Ça vous fait vraiment beaucoup de kama, que ce soit sur les succès monstres, que ce soit sur les donjons, enfin les succès donjons. Vous avez vraiment un énorme potentiel en termes de kama. Vraiment, je blague pas, vous avez vraiment beaucoup de kama à vous faire. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre. J'avais
déjà commencé à m'y mettre en off, mais du coup j'ai commencé à m'y mettre aussi en live, donc on a commencé à faire du succès. Alors je sais plus par quoi on a commencé, il me semble que c'était le donjon en sablé. On avait commencé par le donjon en sablé parce qu'on voulait aussi montrer la salle des grevettes, la quatrième salle je crois, troisième ou quatrième salle, non quatrième. Quatrième salle du donjon, vous avez une salle avec plein de grevettes que vous pouvez aller pêcher, et vraiment sympathique pour les pêcheurs level 10 à peu près, ils peuvent se planquer là, c'est vraiment cool. Donc on a fait full succès, on a obtenu l'intégralité des récompenses, donc des succès avec un petit peu de Kama, un petit peu d'XP, un petit peu de drop. On a fait donc les monstres aussi de la zone avec les succès, enfin voilà, vraiment sympa. On a continué avec le donjon Scara, donc Scarafeuille. Donjon des Scarafeuilles, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le boss à la fin, il a je crois 2000 points de vie, un truc comme ça. Mais au final ça va assez vite. On avait juste, je crois que c'était... que je dise pas de bêtises, zombie, mais comme mon Enune a vraiment zéro de fuite, ben en fait je me fais tacler par tout le monde et on a perdu à cause de ça, parce que j'ai un tour où je pouvais pas tuer le monstre adverse, j'avais ni la libé ni la chance, parce que la chance vous donne de la fuite, et du coup bah c'était un petit peu dommage. On a quand même réussi main propre je crois dessus, donc main propre, voilà, ne pas tuer avec des sorts directement, il faut que ce soit avec des invocations, des glyphes, voilà, toutes sortes de choses pour le faire. Donc voilà, on a quand même réussi pas mal de succès dessus, ça nous a fait pas mal d'XP, pas mal de Kama, on va pas se le cacher, c'était vraiment pas mal, hein. Il y avait pas de problème là-dessus. Donc on fait les petits donjons, hein. Voilà, j'avance tranquillement, je vous l'ai dit, je veux pas me presser, je veux aller à votre vitesse aussi, hein. Je sais que vous farmez pas forcément. On a fait les poils de Kirubin aussi, la quête qu'on peut faire tous les jours. En fait, il y a une quête qu'on peut faire tous les jours, quotidiennement, où on va affronter donc 3 Xelor. J'essaye de les faire en ce moment. Elles vous permettent d'avoir donc des poils de Kirubin qui se vendent à peu près 15 000 unités. Donc si vous le faites une fois par jour, vous avez 60 000 Kama par jour, ce qui est vraiment pas mal. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai 4 à mon niveau. Donc les 4 que vous vendez 15 000, ça vous fait 60 000 Kama par jour. C'est toujours ça, hein. C'est des Kama qui sont générés à partir de zéro. Donc voilà, c'est toujours ça. On les a fait, on les a battus. On a vendu donc les poils de Kirubim qui sont partis un petit peu plus tard. Et on a fini sur le donjon Chaffeur. Donc le donjon Chaffeur, là aussi j'avais besoin du sort Chaffeur. J'ai pas le sort Arachne, hein. Donc je sais pas si je l'achèterai tout de suite. J'ai ni Kawatt. Ça me coûte honnêtement assez cher à mon niveau pour l'instant, hein. Pour l'instant c'est vraiment cher, donc on verra plus tard si je le prendrai, mais en tout cas Chaffeur me paraissait intéressant à faire. On a essayé de faire les succès sur tous les monstres, donc je crois qu'il en manque un, mais il n'est pas dans le donjon Chaffeur, donc on verra plus tard pour l'avoir. Et du coup on a fait tous les succès, alors je sais pas exactement lesquels c'était, mais je me souviens qu'on était passé level 85 à la fin, il me semble, à la fin des succès. Donc voilà, level 85, je vous avais dit, je m'approche petit à petit du level 90, ce qui est vraiment très sympa. Et on a obtenu le chaffeur qui est vraiment pratique. Alors c'est sûr qu'on est très faible en taux de coup critique, mais si vous avez un petit peu de coup critique, vous pouvez avoir pas mal de chances d'avoir un chaffeur CC, et je peux vous avouer que c'est un énorme soutien pour le combat. C'est quelque chose de vraiment hyper important, le chaffeur crit. Enfin, ça peut changer l'issue d'un combat, surtout à bas niveau, parce qu'il retire des PM, il tape quand même fort, il est dur à tomber, hein, honnêtement, il a quand même 500 ou 600 points de vie, un peu de résistance même au niveau 1, enfin bref, voilà, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, on a fait les succès du donjon Chaffeur. Donc il manquera un seul succès sur le Scara, donjon des Scarafeuilles, mais bon, ça ira assez vite, hein, honnêtement. J'y retournerai quand j'aurai un petit peu plus de fuite. Je peux même le faire solo, je pense. Ou peut-être pas solo, mais voilà, on a quand même fait tous les donjons en duotage avec Funestella, donc un joueur de la guilde. Donc voilà, il n'y avait pas de soucis de niveau, on était au même niveau, on a commencé ensemble. On veut dire, il est comme moi, débutant sur Hagrid. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment possible de le faire vous aussi, hein. C'est vrai que je fais vraiment un effort là-dessus, et j'espère que ça vous convient toujours. Vous avez été... Merci d'ailleurs pour vos retours, hein, sur la dernière vidéo. C'était vraiment... C'était très gentil, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de retours positifs, vraiment. Toujours autant de gens qui sont à fond dans l'aventure, c'est vraiment plaisant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe votre aventure, qu'est-ce que vous avez fait comme donjon, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir de l'expérience, qu'est-ce que vous aimez le colis, les chasses, etc. Moi j'ai vraiment arrêté les chasses, ça m'intéresse plus. Enfin voilà, c'est tout pour ce petit best-of. C'était une vidéo quand même assez rapide, mais je voulais... voilà, discuter de tout ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye.